Alors bienvenue ou bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons manger kebab. Nous allons manger nabab kebab. Ouais, bah c'est ce que je disais hein. Nabab, franchement, vous êtes devenu radin. Pourri, radin de chez radin. Je sais pas si vous vous rappelez mes premières vidéos, j'avais fait nabab. Regarde moi comment c'est vide là. T'as vu comment c'est vide? Avant ils étaient gentils de... Oh là là, mais c'est devenu n'importe quoi nabab. Mais tous les restaurants ils sont devenus un peu radins. Non, nabab est devenu radin. C'était rempli avant. Pour 5 euros t'avais le truc qui était rempli à ras-bord et qui dégoulinait. Mmh. Là, y a plus rien là. Y a plus rien. Ouais. Bon Aaron, je te mets ton truc ici, comme ça tu peux l'attraper. Bon. Mmh. Je suis juste dégoûtée quoi. Tu te dis les 3 menus 17 euros. Mmh. Ils sont trop. Là je suis juste dégoûtée quoi. Au moins le burger, le truc de kebab de Cherbourg, il était bien rempli. Ouais. Nabab. Nabab, t'en avais pour ton argent. Là c'est juste vide de chez vide. Ouais. Nabab kebab, c'est vraiment vide. Avant quand je prenais nabab, le truc il était lourd. Ouais. Je disais ouais, tout ça c'est beaucoup. Maintenant c'est trop léger en fait. Le pain est un peu sec. Le pain il est sec ouais. Je sais pas c'est quelle équipe qu'ils ont mis maintenant mais franchement pourri hein. Mmh. Bon au moins on a quelque chose à manger mais bon voilà quoi. Je suis déçu, vraiment déçu là. Maman. Oui. Je suis dégoûté. J'ai une sauce mayonnaise avec ça là. Ça pique hein. Mmh. Faut pas mettre tes doigts dedans, faut pas mettre tes frites dedans, ça pique hein. Mmh. Le fait qu'il avait plus du piment là. Mmh. Après il a mis dans sa bouche là. Mmh. Cette vidéo est plutôt pourrie. Désolé. Je suis dégoûté dans l'ensemble. Ouais, de bon, juste que je suis dégoûté. Grave dégoûté là. Avant, ça dégouline fort, hein. L'équipe d'avant, elle était mieux. Hein. Mais même le kebab aux fontaines, il est plus rempli que ça, s'il te plaît. Ouais. Nabab, juste parce qu'ils sont devenus connus partout en France, ça y est, ils sont devenus radins. Connu partout en France, nabab. Mmh. Ouais, ben ils sont connus dans la radinerie maintenant. Hein. Grave. Ils ont battu leur record de radinerie. Je vais taguer la chaîne de nabab pour leur dire là. Regardez un peu. Dans mes premières vidéos, j'avais un kebab, il était trop bien. Rempli. Tellement j'avais mis sur un plateau, ça dégoulinait, il y avait de la viande partout, c'était vraiment trop beau, magnifique. Mais là, regarde-moi ça, le truc il est chiche. Ouais. C'est incroyable. Avale d'abord ce que t'as dans la bouche. Croque là. Le pain. Tu peux voir? T'as déjà avalé la paille. Tiens, croque, suce là. Voilà. Le gars qui bouffe ses pailles. On lui met une paille, le gars il bouffe la paille. Comme c'est des pailles en papier, en faux carton maintenant.
Ouais. Viens boire ça. C'est vraiment dégoûtant. Il est sec, sa mère. Ouais. Il n'y a rien au fond. Non, mais attends, je mens pas. Attends, je te montre de près. Il est sec de ouf. Regarde, regarde. Ton pain est encore plus sec parce que moi j'ai de la mayonnaise. Il n'y a rien là. Tout ça là, il n'y a rien. Il y a un peu de viande juste là. Juste ça de viande. La salade, j'ai demandé tomate oignon. Il n'y a pas tomate oignon. J'ai bien dit salade tomate oignon. Ils m'ont mis juste la viande là. La salade là, il y a deux petites tranches pourries de tomates. Attends, il y a deux pauvres petites tranches de tomates quelque part là. Et encore. Et là derrière, c'est tout vide. Ça, c'est le milieu. Hein. C'est le milieu. Regarde. Regarde. T'as vu comment c'est vide cette partie là? Toi, t'as pas de chance parce que regarde, moi, j'ai salade tomate oignon. J'ai bien la salade tomate oignon. Non, mais sérieusement, regarde. Nabab, améliorez-vous. Parce que regarde. Là, c'est n'importe quoi. C'est la décadence totale. Moi, regarde ce que j'ai dedans. J'ai la mayonnaise déjà mise dedans. Un kebab qui se ferme, que t'achètes, j'ai même pas picoré dedans. Il se ferme. Alors que le kebab, c'est connu pour ne pas pouvoir se fermer. On peut pas l'attraper comme ça et le manger comme ça, le kebab. T'es obligé de manger d'abord beaucoup, la moitié de la viande, pour pouvoir fermer ton kebab et le croquer. Ouais. J'ai pas d'autre viande. C'est tout ce que j'ai. Nabab, c'est la décadence totale chez vous. Hein. Ouais. Nabab, vous étiez bien avant. Maintenant, vous êtes niveau vraiment 0%. Il est où mon coca? Ah, ça va, toi. On va faire ton coca. Mon coca. T'as pas déjà ton capucine, toi? T'as déjà ton capucine? Pourquoi tu veux mon coca? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Bois comme ça, tourne. Voilà. Le gars, il a son caprice. Hein? Il me boit mon coca. T'as toi? Oui. Voilà. Nabab, améliorez vraiment vous. Hein? Même la mayonnaise Larissa dedans, s'il te plaît. C'est où la mayonnaise Larissa? C'est où? Tu peux me montrer? C'est où? Ça. Il n'y a pas? Ils ont versé un petit peu de mayonnaise, il n'y a pas Larissa. Il n'y a rien. Marie, bien ce que j'ai demandé. C'est n'importe quoi. Franchement, je suis vraiment dégoûté là. Bonjour, bonjour. Le kebab à côté de Cherbourg, ils étaient bien rembourrés dedans. C'était même pas à côté de Cherbourg, c'était à Cherbourg même. Ouais. Mais même le kebab aux fontaines, il s'est rempli, c'est juste que Nabab, ça y est, il se pense mieux que tout le monde et il pense que voilà quoi. J'ai pas de viande là. J'ai pas de viande là. J'ai pas de légumes là. Il y a un petit peu de mayonnaise, c'est tout. Il y a de la viande un peu. Non, au Nabab de Tours, avenue de Bordeaux. J'irai plus jamais. Ici, t'as déjà les frites à tu rentre. Payes pour quelque chose et au final, on te donne même pas la moitié de ce que t'as payé. Nabab, avenue de Bordeaux. Ils sont devenus des gros fous. Hein. Moi j'ai faim. J'ai l'impression d'avoir été arnaqué là. Ouais. T'as pas fini avec mon coca toi? Au moins le coca ils ont pas pu réduire les doses. Connu à cause de ça. Ah ben moi je m'en fiche hein. Tu vois dans le livre du record. Eux-mêmes ils ont voulu avoir de la mauvaise pub. Hein. Et voilà dans le livre du record de radinouille.
T'as vu comment c'est plat? Un kebab tout plat. T'as vu? Moi j'ai regarde. Regarde. What? Il est tout plat mon kebab. Il est vide, il y a pratiquement rien dedans. Il est plat aussi, tiens. Moi il est dedans. C'est juste parce que je l'ai serré comme ça, regarde. Mais sinon il était comme ça, lui. Non, moi il était pas gros, hein, il était plat. Il y a rien dedans. Il y a rien. Moi j'en ai beaucoup. Ouais. Ta main. Ta main. Vous êtes radin. Vraiment radin. Moi j'aime pas te voir comme ça. Je m'attendais à un truc extraordinaire. C'est ça, toi aussi? Oh, c'est pas ça, c'est dégoûtant. Là, t'es vraiment dégoûté. Hein. Tu es au bout de ma vie, là. C'est quoi ce truc? Il est fou lui. Ah bon? Tu dois manger l'éléphant. Ouais. Ça c'est le burger d'Aaron. Et là les frites d'Aaron. C'est vraiment de la merde maintenant. Plus jamais. Nabab, c'est mort. Je n'y vais plus jamais. La déception totale. Et ping. J'ai mis ma bague dedans. Technique. Il s'en fiche. Il a mis la sienne aussi. Avec des miettes de frites. Quand tu veux boire le jus de quelqu'un, faut t'assurer que tu peux suivre, mon gars. Faut t'assurer. Tiens, bois ton Capri-Sun de boire les trucs des gens, toi. Oui, iya, iya, tiens, bois. Voilà, c'était une vidéo. Déception totale. Nabab, kebab, avenue de Bordeaux, Tours. Faudrait que j'aille voir Nabab place Plume. Mais franchement, si cette équipe l'a fait comme ça, je veux même pas voir l'équipe Plume, place Plume. Déception totale. Ah. Bon, je vais vous dire bye. So, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. On vous aime tous très fort. Bye. Bye.